Salut tout le monde, c'est Nelvea Chan, je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième partie et normalement la dernière de cette fac sur les feutres à alcool. Donc comme promis aujourd'hui, on va passer à la pratique de la mise en couleur. Pour vous situer un petit peu la mise en couleur au feutre à alcool, je vais d'abord vous parler de deux méthodes, de deux styles, de deux techniques phares dans ce milieu. Donc ce sont des techniques qu'on va utiliser pour la mise en couleur à la main ou... Pour la mise en couleur assistée par ordinateur. Bien entendu, il en existe d'autres, mais là je vous décris vraiment les deux principales. La première, c'est le réalisme. Donc, le réalisme, comme vous l'aurez compris, c'est la technique qui va permettre de rendre réel ce qu'on met en couleur. Donc, pour que les choses soient réalistes, il faut travailler les ombres et les lumières de manière assez précise et pour des formats un peu plus gros que le scrap, les textures. Donc, Là, je vous simplifie un peu la chose, mais grosso modo, euh, le, le, le réalisme, c'est ça. Donc, pour faire du réalisme, on va travailler les couleurs par couche, euh, par fusion, par dégradé. Du coup, euh, ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'on peut retravailler ces couleurs. On peut donc, du coup, revenir en arrière entre guillemets dans le sens où on va pouvoir faire des retouches si jamais il y a des erreurs. En tout cas, ça reste une technique qu'on va exploiter à la base. Pour le scrap puisque comme je disais les motifs sont souvent un petit peu petits euh, pour faire des, des, des choses vraiment extrêmement détaillées et puis parce qu'avant tout le scrap c'est aussi un loisir donc comme la mise en couleur et du coup dans le loisir bah, on va pas non plus se prendre la tête sur des, des normes académiques ou sur des rendus extrêmement professionnels voilà donc euh, nous on va être plutôt dans cette catégorie là la deuxième technique, c'est le style manga que personnellement je n'ai jamais vu en scrap. Donc c'est peut-être quelque chose à, à exploiter, j'ai envie de vous dire. Donc dans la mise en couleur, le style manga, c'est un style qui est très épuré dans le sens où on ne travaille pas la texture. Voilà. On va faire des différenciations pour les ombres et les, et les lumières, mais ça va être très simplifié dans le visuel. Alors je dis simplement dans le visuel c'est simplifié parce qu'en fait dans la pratique ça va nécessiter des, des gestes très précis et euh, faut pas se gourer donc il faut avoir une bonne connaissance pour les placements d'ombre et de lumière. Donc ce sont des, des, des colorisations qui se travaillent par aplat de couleurs. La différence avec le réalisme c'est qu'il n'y a pas de dégradé. Et du coup... Pour euh, faire du style manga, en fait, il va falloir laisser sécher son encre entre deux superpositions de couleurs pour ne pas qu'elle fusionne entre elles. Et étant donné qu'on ne veut pas qu'elle fusionne entre elles, et ben comme je disais, il faut un geste sûr et précis dans le sens où si vous mettez une zone d'ombre qui est euh, pas cohérente ou qui est trop large, et bah ben, du coup votre dessin entre guillemets il est foutu, hein, vous pouvez le conserver quand même. Hein, mais bon il va être foutu dans le sens où vous ne pourrez pas revenir en arrière avec votre couleur la plus claire, sinon vous allez tomber dans le fondu. Et votre, euh, votre style ne sera plus manga. Allez, on va passer à la pratique. Je vais vous expliquer ces deux styles à travers les petits Pères Noël. On va commencer tout de suite avec le style manga. Comme je l'ai déjà dit, il va falloir compter un temps de séchage des couleurs. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer toutes mes couleurs de base sur mon petit Père Noël. Vous pouvez laisser des zones de blanc pour les, les textures vraiment très lumineuse là où vous allez avoir des reflets. Et sinon, vous mettez votre couleur la plus claire puisque ça sera généralement pour les zones les plus lumineuses. Voilà, donc j'applique mes rouges, j'applique un gris puisque le blanc pur comme je vous l'ai dit, c'est pour les reflets, on ne met quasiment jamais de blanc pur pour une texture qui n'est pas un reflet, on passe par des couleurs très pâles ou des gris très clairs. Donc, une fois que j'ai posé mes aplats de couleur pour mon petit Père Noël, on va passer à la partie réalisme, comme ça, ça a le temps de sécher et je suis sûre de ne pas avoir de fondu de couleur. Donc, pour le réalisme, de la même manière, je vais appliquer mon rouge le plus clair. Une fois que j'ai fait toute ma zone en rouge clair, pareil si vous voulez, vous pouvez laisser des blancs, mais ça on y reviendra plus tard. Donc une fois que ma couleur claire est posée, je vais venir passer ma couleur la plus foncée aux zones où j'estime qu'il y aura de l'ombre. On parlera également des ombres et des lumières un peu plus loin. Du coup, une fois que j'ai positionné mon ombre, je vais revenir avec mon feutre le rouge plus clair pour repasser sur mes zones d'ombre et ainsi créer un fondu, créer un dégradé entre mes deux rouges. C'est ce qui va caractériser le réalisme. Bien sûr. Le mieux, c'est avec de la texture, mais euh, bon, là, euh, c'est simplifié. En fait, je dirais limite qu'on euh, est entre les deux, en fait. On est entre le style manga et le style réaliste, dans le sens où on essaye de faire du réalisme au niveau de, de nos mises en couleur, mais comme on fait des choses qui sont très simplifiées, d'une certaine manière, on est presque du manga, sauf qu'on a des dégradés. On va, euh, je sais pas, on va dire qu'on fait un petit peu du style cartoon, j'en sais rien. <laughs> Après il y en a en scrap qui arrive très bien à faire du réalisme, hein, attention. Donc de la même manière, j'ai appliqué mon gris euh, sur mon bonnet, sur la fourrure du bonnet, j'ai mis donc un gris très clair, je suis revenue avec un gris plus foncé et je suis repassée avec mon gris plus clair pour fondre le gris le plus foncé. Donc comme vous voyez, je jongle entre mes feutres, donc là deux, hein, j'ai fait exprès de prendre que deux nuances par couleur, histoire de simplifier au maximum le, le tuto. Donc pareil pour la barbe, je viens appliquer ma couleur la plus claire, je viens appliquer mon gris le plus foncé aux zones où j'estime qu'il y a des ombres. Comme vous voyez, j'applique ma couleur, je fais des hachures, enfin, je l'applique de manière très aléatoire, ce qui d'une certaine manière va m'aider à ne pas avoir de démarcation une fois que je reviens avec mon feutre plus clair. Si vous faites des lignes trop nettes, le fondu sera un tout petit peu plus compliqué en fait pour la couleur la plus claire. Après, c'est pas infaisable, hein, il suffit juste de rajouter plus d'encre en fait. Mais bon. Ce qu'il faut savoir quand même dans le réalisme, c'est qu'à la base, il y a des délimitations franches dans les lumières. Nous, on a tendance à pas le faire, mais pour quelqu'un qui travaille de manière professionnelle, il va avoir différents types de lumières. Et donc, à cause des différents types de lumières, il va avoir différents types d'ombres. Il va y avoir les ombres fondues comme on les travaille nous, et il va y avoir des ombres franches parce qu'il va y avoir des lumières franches. C'était une parenthèse. Donc, comme vous le voyez, mon dessin évolue plus vite parce que j'ai dû accélérer la vidéo pour pas y passer euh, tout, euh, toute la journée dessus. Euh, mais euh, je pense que c'est quand même relativement compréhensible, surtout que j'utilise que deux nuances par couleur, comme je vous ai dit. Donc, du coup, vous me voyez très bien appliquer, revenir euh, sur chaque nuance. Comme vous voyez, je suis revenu sur la barbe encore une fois avec du plus foncé pour accentuer encore un peu plus le côté ombre. Donc, pareil pour les sourcils, on va rajouter une, un petit effet ombré. Comme l'élément est tout petit, forcément, c'est un tout petit peu plus diffus, c'est un petit peu moins marqué en fait. Mais bon, il y a quand même un léger, un léger dégradé dedans. Et pour la couleur de la peau, exactement de la même manière, on va revenir travailler avec deux nuances. Une fois que c'est fait, on Va venir reprendre notre dessin manga et en fait on va venir appliquer la deuxième nuance, donc la nuance des ombres, hein, tout bêtement. Et donc la nuance des ombres, cette fois je vais pas la travailler en hachure, je vais un petit peu, mais bon, je vais m'arranger pour avoir des arêtes qui sont nettes entre les deux couleurs. Il faut avoir une cassure, ouais, très nette en fait, voilà, tout simplement une cassure très très nette. Donc je vais me gourer un petit peu sur le bonnet hein, parce que. Je ne pratique pas le style manga, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein, puisque c'est un univers que j'aime énormément. Je ne le pratique pas, et du coup, je, je suis pas très sûre de mes gestes, donc je, je me plante un peu sur l'ombrée du bonnet. Mais bon, euh, voilà, c'était pour les besoins de la vidéo, hein, je m'y suis mis vraiment pour les besoins de la vidéo. Et du coup, bah, pareil, donc de la même manière, je vais venir passer mes teintes plus foncées de, de rouge, de gris et de couleur chair. En faisant attention d'avoir des délimitations très nettes et je vais ainsi créer mon impression d'ombre et de lumière. Donc, c'est peut-être pas un style qui va beaucoup parler à la majorité d'entre vous, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment sympa. Euh, ça change, je trouve que ça donne un côté plus dessin. Que le, la mise en couleur réaliste. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est à peu près le but. Donc voilà, je fais ma colorisation pour mes deux petits euh, Père Noël. Et puis, bah, on va passer à, à la suite du tuto. Hein. Je vous laisse déjà vous faire une idée de ce que vous préférez ou pas. Allez, maintenant, on va passer à un sujet qui, je pense, vous parlera plus et que vous attendez plus, c'est-à-dire les ombres et lumières. Donc pour ça, je vais vous faire plein de petits exemples. On va faire toujours du manga et du réalisme. Et je vais vous parler donc de la lumière. Qui va orienter les ombres. Sur mon dessin, la lumière, ce sont les flèches, la direction de la lumière, donc les endroits qui vont être les plus lumineux. Je commence par poser ma couleur la plus claire, donc sur ce premier exemple qui va être en haut réalisme et en bas euh, manga. Je laisse du blanc, donc volontairement, comme je vous disais, on peut laisser du blanc. Vous verrez pourquoi un peu plus loin. Et euh, sur, par contre sur le motif manga, là je vais mettre un aplat global. Ensuite, je vais passer à une couleur intermédiaire, puisque là je vais prendre trois couleurs pour le réalisme. Et cette couleur intermédiaire, je vais la positionner aux endroits où, à cause du volume de l'objet que j'imagine, il va y avoir de l'ombre par rapport à la direction de la lumière que j'ai posée. Et je vais également poser une troisième couleur plus foncée, cette fois, aux endroits où la lumière ne va quasiment pas intervenir, quoi. Pour ne pas dire que ça va être carrément limite noire. Mais bon, là on va rester dans les teintes de vert. Et du coup, je vais venir créer mes fondus. Donc je repasse avec la couleur intermédiaire et la couleur la plus claire. Ensuite, ma couleur la plus claire, je vais également la passer aux zones qui étaient blanches pour avoir une différence de teinte entre une simple couche de couleur claire et une couche de couleur claire qui a été repassée plusieurs fois. Voilà, donc je vais travailler mon dégradé et du coup on va avoir cette notion de luminosité, comme vous pouvez le voir sur le bas du, du petit monstre. Ce ne sont pas des tentacules, mais enfin bon, avec les vagues, on a créé une zone un peu plus ombrée. Comme là je suis en train de faire sur le manga d'ailleurs, une zone un petit peu plus ombrée, mais pas trop, parce qu'elle va être légèrement cachée de la lumière, mais il va y avoir quand même un petit peu de lumière qui va intervenir. Pour le manga, euh, bon j'ai pris la couleur la plus foncée, ce c'était pas la meilleure idée. Hein. Pour les autres, je prendrais la couleur intermédiaire. Comme je vous ai dit, on va faire des ombres avec des arêtes nettes. Du coup, ça donne un peu moins l'impression, ça donne moins, ouais, voire pas l'impression de volume, mais par contre on arrive à lire. Euh, les zones d'ombre et les zones de lumière. Sur le deuxième exemple, je vais avoir une lumière qui va venir du dessus. Du coup, même principe pour la couleur manga. Je pose mon aplat de couleur. Et même principe pour le réalisme. Je pose ma couleur la plus claire en laissant une zone de blanc en haut puisque ça va être la zone la plus exposée à la lumière. Et ensuite, je vais venir passer donc la deuxième couleur, à la couleur intermédiaire. Donc sur cet exemple-là, euh, je vous avoue que je me suis un peu foiré quand même, hein, que ce soit. Euh euh, en manga ou en réalisme hein, d'ailleurs. Normalement comme euh, le petit monstre il se resserre au niveau de la taille, ça veut dire que cette zone là elle est plus rentrée et donc elle est moins soumise à la lumière, elle va être plus ombrée. C'est pour ça que je lui fais une sorte de ceinture d'ombre à cet endroit là pour marquer le fait que ben du coup la lumière n'atteint pas cette zone là. Par contre sur le bas, sur on va dire les tentacules, hein, sur les tentacules, comme elles sont plus évasées et plus larges, elles vont avoir un peu plus d'apport de lumière. C'est pour ça que je vais les laisser plus claires. Je réalise mes fondus hein, en repassant euh, de manière dégressive. J'ai repassé ma zone de blanc qui du coup est légèrement moins foncée que la zone où j'avais passé ma première couche de couleur claire. Pour le côté manga, c'est pareil, hein, je, je foire un petit peu, mais toujours des arêtes franches, et je viens poser, donc cette fois j'ai choisi la couleur intermédiaire, mais il n'y aura pas de troisième couleur. Je viens poser donc les endroits où l'ombre est plus marquée. Et ensuite on va passer au troisième exemple. Sur ce troisième exemple, j'ai une lumière qui vient du haut mais plus sur la droite. Alors moi c'est le positionnement de lumière avec lequel je suis le plus à l'aise. C'est peut-être pour ça qu'il est légèrement plus réussi d'ailleurs. Et donc toujours de la même manière, je laisse ma zone de blanc, j'applique ma couleur la plus claire. J'ai fait mon aplat de couleur sur le manga. Ensuite je vais revenir sur le réalisme. On va positionner la couleur intermédiaire sur les zones. Qui sont du coup moins exposés à la lumière, donc là il s'agit de la zone gauche du, du motif et euh, un peu basse, c'est l'inverse du premier dessin. Et je viens poser également ma couleur la plus foncée. Comme pour les autres, on va revenir progressivement de la plus foncée à la plus claire afin de réaliser mon fondu. Donc là, vous voyez que je réinterviens beaucoup sur les zones d'ombre parce que euh, j'estime qu'en fait, par exemple, l'œil, il va créer une zone de d'ombre plus large, ainsi que euh, la bouche. Hein. On va imaginer qu'il y a euh, des lèvres. Donc du coup, sur la bouche, j'étends un peu plus mon ombre sous la bouche que euh, sous le reste parce que il y aura euh, le, le volume des lèvres entre guillemets qui va créer une ombre. Voilà donc je reviens de manière dégressive sur mes dégradés et on va donc avoir un rendu de lumière qui pour moi est quand même le plus réussi euh, des trois. Pour le style manga, exactement de la même façon, je vais venir donc positionner ma couleur intermédiaire, qu'on va dire couleur foncée, euh, aux mêmes zones en fait que mon réalisme, mais en créant des, des, des tranches, des ondes très tranchées, euh, pour ne pas avoir de dégradé. Et de la même manière, je vais accentuer sous l'œil et sous la bouche, pour donner toujours cette impression de volume. On va passer à un exemple en dehors donc de ces zones de lumière pour vous montrer quelque chose qui est très pratiqué dans le scrap et qui entre guillemets n'est pas vraiment réaliste mais euh, qui fonctionne bien pour donner du volume. Donc j'ai retamponné mon motif pour vous montrer euh, la façon dont on représente le volume en scrap. Ce n'est pas majoritaire hein, mais il y en a pas mal qui le font. C'est-à-dire qu'on va en fait appliquer les ombres tout le tour de l'objet. Donc pour ça on, on pose la couleur la plus claire, voilà, ensuite je pose la couleur euh, intermédiaire toujours en restant contre mes tracés. Donc après, je vais finir par positionner ma couleur la plus foncée, toujours en suivant le tour, mais cette fois de manière beaucoup plus mince, beaucoup plus fine que les couleurs précédentes. Euh, donc on fait tout le tour du euh, sujet avec la couleur la plus foncée et on va venir fondre également maintenant donc euh, la couleur foncée avec la couleur intermédiaire et la couleur euh, intermédiaire on va revenir y passer de la couleur claire pour effacer le blanc que j'ai laissé au milieu. Comme vous avez pu le voir sur tous mes exemples, je vous ai euh, commencé la colorisation avec la couleur la plus claire pour arriver jusqu'à la couleur la plus foncée. Sachez que ce n'est pas une obligation. On le fait parce que d'une certaine manière, c'est plus simple. Et c'est plus sécurisé, plus facile de se dire bon bah là j'ai ma couleur. Ensuite bah là c'est un peu plus foncé donc je vais rajouter une couleur intermédiaire. Et puis bah là-bas c'est carrément dans l'ombre donc là je vais mettre ma couleur la plus foncée. C'est plus facile de réfléchir dans ce sens-là que l'inverse. Enfin généralement on, on part du plus clair pour aller jusqu'au plus foncé. Mais comme je vous le montre là, le résultat si on fait l'inverse est exactement le même. Bah, en fait en faites comme vous en avez envie. D'ailleurs si vous suivez mes vidéos colorisation ou les colorisations dans mes vidéos création, vous aurez remarqué qu'en fait, bah, je, je reproduis pas forcément ce schéma-là. En fait, je m'en fous de, de, du schéma que j'utilise pour appliquer ma couleur. Des fois, je commence du plus foncé, des fois, je commence du plus clair. Ça n'a aucune importance. La seule fois où ça a été important pour moi de, de, de faire un schéma précis, ça a été pour la colorisation de la tête de mort que vous avez vu en exemple au début de la vidéo. Alors, si ça a été si important pour moi, c'est parce que du coup, il a fallu tellement travailler les dégradés avec tellement de nuances qu'en fait, j'avais un surplus d'encre euh, assez important. Et, commençant par le plus foncé, les dégradés n'étaient pas forcément plus faciles à faire, mais j'arrivais à moins utiliser d'encre, en fait, parce que du coup, j'y allais peut-être un peu moins. Tâton. En fait, je ne sais pas trop pourquoi, mais plus votre dégradé nécessite de couches d'encre, plus je dirais qu'il faut mieux commencer par le foncer. Après, c'est peut-être une idée que je me fais, mais en tout cas, pour la tête de mort, j'ai eu besoin de suivre un schéma. Pour le reste, très franchement, il n'y a aucune obligation de partir du plus clair pour aller au plus foncé. C'est plus dans notre sens de lecture, on va dire. Mais après, vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà, donc je vais arrêter là euh, la vidéo pratique finalement. Je me rends compte qu'il va y avoir une quatrième vidéo puisque je ne peux pas non plus me permettre de vous accélérer trop euh, cette partie technique bah, parce que vous verriez pas assez finalement donc ça serait dommage euh, pour le coup ben et ben finalement voilà il y aura une quatrième euh, quatrième vidéo où on va peut-être partir sur des choses un peu plus poussées là je vous ai vraiment montré la base de la mise en couleur avec donc la façon d'apposer ces couleurs qui finalement n'a pas tant d'importance que ça, les styles que vous pouvez donner à vos colorisations si, si vous avez envie de sortir un petit peu de, de, des sentiers battus. Là, je vous ai vraiment positionné la base et puis on va faire quelque chose d'un petit peu plus poussé pour la prochaine vidéo qui, bah, j'avais envie de vous dire, elle sera moins longue, mais ça, j'en sais rien en fait. Donc euh, voilà, donc, finalement, euh, bah, vous aurez encore un épisode supplémentaire. J'espère que ces premiers conseils sur la... Pratique de la mise en couleur au feutre à alcool vous auront aidé. En tout cas, on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le sujet. Et moi, je vous fais plein d'énormes bises. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!